Il a Sénai. Il a Sénai. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Les mecs, ils ont mis 22 jours pour aller jusqu'à... Là, c'est l'expédition, ils ont cherché... Mais ils n'ont pas cherché spécialement, c'est le 22e jour de l'expédition. Mais ils ont cherché dans tout le Japon, l'archipel du Japon, après dans les le machin les de la reine. Quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Bah oui. Une Tomb Raider, son équipement, ce n'est pas une Tomb Raider. S'est fait défoncer. Voilà, bienvenue parmi nous. Donc ce petit let's play d'un jeu très connu. Très attendu par Ouais. Là, c'est une version... C'est très simple. Là, il faut se dire aussi que c'est la version de 2014. Parce qu'il y avait une version... Au début, il y avait la même version sur PS3, PC, 360. Qui était en 2013, ça? Ouais, et qui était moins bien fait, un peu moins c'est bien exactement fait. Le même jeu, de toute façon. Oui, juste le côté du graphisme qui était amélioré. Qui était un petit peu amélioré. Le niveau du trait des visages, la rack était bien augmenté. Mais en plus, j'ai vu qu'il y a une version de PS3 au sommet de ce même jeu. De quoi? Des définitives. Je l'ai vu sur PS3 aussi. Par contre, bah, j'aime bien, regarde bien ses cheveux, comment ils tiennent bien là, à l'envers. Ouais. Il y a un moteur exprès pour les trucs, mais ils ont pas emmerdé à travailler les cheveux à l'envers. Aidez-moi! Non, ballon! Il faut que je me libère! Le feu il est assez chaud. Je peux pas mourir comme ça. Ah oui, je supporte pas cette scène là. C'est facile à comprendre, tu sais, il va falloir aller se cramer les pieds dessus. Suzanne, t'as voulu dire. Ça va faire mal. Hein? Oui, t'as voulu dire Suzanne. Suzanne. T'as autant mal pour elle que dans The Last of Us quand tu vois Joël passer par le balcon. Ouais, c'est ça. Tu dis aïe. Putain, mec.
Mais tu peux remarquer qu'elle a, elle a la même blessure que Joël, mais elle, elle saigne pas des masses. Hein. Joël, il se vide de son sang. Ouais. Qui est tout à fait logique. Elle est pas en bonne santé non plus. Hein. Oui, mais bon, elle saigne pas là. Elle a saigné un petit peu et maintenant c'est tout. L'hémorragie s'est arrêtée d'un coup. La magie. La magie tombe à l'air. C'est crade, n'empêche. Quel boucan! C'est bien fait, je pense. Ça crame bien vite, n'empêche. Alors c'est propre. C'est propre et c'est aussi il en reste pas une face. Ça traite. Ouais, c'est ça qui me fait. Il a du mal. En termes de. Là, dans un endroit hyper humide en plus. Dans un endroit hyper humide, ça y est, ça crame bien. Ouais. En termes de. Et gameplay, c'est clair que. Faire en sorte que ça crame pas, ça crame pendant des heures, ce serait chiant. Bon, pour le coup, ça, en termes de réalisme, l'avantage, il y a un point positif qui est bien, c'est que quand tu passes dans la cascade, ben tout ça. Ouais. Mais ça, c'est pour faire ce qu'ils appellent des énigmes. Enfin, dernier moment, j'ai vu qu'il y avait un baril et j'ai cru que j'allais me prendre l'explosion de la gueule. Oh non. Elle a des belles fesses aussi, bien. Je l'ai tué là. Débilement, tu sais. Ouais. T'as tué Lara là? Une fois j'ai pas eu le temps de. Je savais pas comment il fallait s'échapper et elle a. Ouais, tu vas le découcher avec elle, c'est. Ouais, non, mais sur le moment ça m'a pas coûté, donc. Non, mais c'était débile. Le pire c'est après. Le prochain qui est horrible. Tiens. Je voudrais pas être à sa place dans la flotte. Toutes les maladies qui sont pas tapées dans le spot, c'est dégueu. Ah, c'est pas vrai! La marée. Il faut que je sorte ici. Ah, du feu. Il y a plus d'effets que la première version, quand même. Peut-être que la version PC c'est différent, mais la version PS3 que j'avais joué. Mais qu'est-ce que c'est cet engin? Il y a beaucoup moins d'effets. Il y a un truc qui s'enflamme, je pense qu'on va l'enflammer. On va monter. Ok. On va le garder un peu plus. Hein. Enfin, n'importe quoi, c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est ça. Tu veux me dire comment elle peut sauter avec Non, pas ce côté là. Ah ok. Ah bah si, ouais. Ah bah il y a la moitié qui sont barrés quoi. Ouais mais bon. Pas moyen. Ah. On se plus. Je suppose, bon on doit. Il faut que je sorte de là. J'ai vu ça qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, je crois. Ça met beaucoup au début, mais après, hein. Est-ce que tu peux vraiment appeler ça une énigme? Non, regarde, un minimum d'ennemis, c'est pas des mains. Ça, on peut même pas dire que c'est une énigme. Ouais. Une blague binette. Oui, voilà. Ouais. Merde, pas essayer de faire gaffe. Ah. Ah,
Moi, ce qui m'a aussi, c'est que dans les anciens Tomb Raider, il y avait beaucoup de plus-plus. Bah, le Tomb Raider, c'est beaucoup de plateformes et d'énigmes. Hein. Là, non. Il n'y a pas d'énigmes, ça. Il n'y a pas d'énigmes. La forme, il y en a. Ah, merde. Ah, c'est là. Je me suis raté. Là, ça, tu vois. C'est voilà. Okay. C'est aussi. Il faut faire triangle, ok. Le joystick, mais le temps de réagir pour triangle, c'est trop long. Mais ouais, c'est pareil. C'est plus facile qu'on le sait quand même. Oula. Ça c'était prévisible. Carrément. Moi ce qui me fait bien rire, c'est qu'elle fait bien dans le film, mais... Elle arrive à monter, elle bouge vachement vite. C'est ça que... On peut mettre là, tout ce qu'on veut sur le dos de l'adrénaline, mais quand même, là, il faut pas pousser Bobonne. Et après, tu remarques, après tout le long de l'histoire, elle s'en fout complètement de sa blessure. C'est énorme. C'est fini, sa blessure, on la voit pratiquement plus. Ouais, elle est blessée comme toi, elle fait sa chichi, mais c'est tout. Ça chuchote. C'était vraiment bon. Bon, merci de nous avoir regardé, à la prochaine. Hein. Pourquoi? Non. On s'arrête au prochain. Quand tu veux là. Mmh. Un petit peu là. On peut tomber des falaises. Non. Combien de fois j'ai essayé de faire ici? Ah bah si. Tu me dis non. Non putain. Tu dis non, alors moi je crois que ça y est, c'est bon, je peux faire le con. On peut, putain, je savais pas que vous pouvez le faire. Oh, c'est bien que moi je suis le meilleur pour tester les trucs à la con. Oh là, je vois bien, ouais. Ouais. En même temps, qui irait essayer de sauter dans le vide? Toi. Apparemment pas toi. Les canaux de sauvetage. Non. Mais où sont-ils? J'ai pas voulu avancer sauter, dans les terres. Moi dans les jeux, c'est le premier truc que je vérifie. C'est ça qui peut appeler quoi. On peut appeler. Afficher carte. Ouais mais ma caméra est désactivée, ouais. Donc c'est pas la peine. Je vais la brancher pour la prochaine fois. On testera ça. Ouais, ok, doucement. Ça aussi, ça dans la version PS3, on peut tomber. Et alors, on peut pas tomber? Difficilement. Bah, j'ai failli tomber. Oui, bah c'est sûr que tu te fais esprit de tomber aussi. Non, mais là, c'est... je veux dire que là, quand tu vas vite, quand tu marches vite, tu peux pas tomber. C'était voulu par le machin. Comme si t'es, tu faisais imperfect, tu tombais là. C'est juste pour faire. Attends, ça y est pas. Ouais, ok. Non, pas ta. Et j'avais pas vu qu'il y avait un trou. Genre, j'ai déjà fait le jeu, tu sais. Allez. Une cascade aussi à côté, toi, tu remarques qu'il n'y a pas d'eau, non, c'est là qu'il y a un trou. Ouais, excuse-moi d'avoir pas avoir fait gaffe. Ok. C'est quand même logique. Je peux y arriver. C'est vrai qu'il y a un beau. Un jeu de cul, hein. Un jeu de cul.
Plusieurs tactiques. Après, encore que... C'est un nuque. Mais les premiers, c'était exagéré, quoi. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les gens trouvaient voir ce magnifique. Tiens, c'est tombé quoi. Elle devait avoir une. Si elle est. Si la vraie est là, elle est en vrai, elle devrait avoir une troisième, une canne. On n'est pas tombé en avant. Là, l'avantage, là, ton rider qui est là, est réaliste. Ah, pas besoin de troisième de canne pour ne pas tomber en avant. Hein. Le sac de Sam. Aïe. Sam, une chose qui serait bien, ce serait le prochain. Ah, attends. Ils ont dû passer par là. Le prochain quoi? Le prochain Tomb Raider, c'est qu'on puisse aller à Londres. Ah ouais, dans le manoir des Crocs. Ouais. Au moins pour une sa vie, tu sais, pour voir Rose comment ils l'ont amélioré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je retourne. Il y a une chose qui me sidère aussi. Mais moi, ce que j'espère, c'est que le prochain Tomb Raider, ils en feront moins une survivante. Qui reviendront un peu à ce que normalement allait. Ouais. Oui, j'espère. Ah. Comment elle fait pour se casser une jambe avec ça? C'est ça toi. Ouais, il y a une chose que tu remarques. À la limite, dans celui-ci, c'est. Elle est pas aventurière. Elle essaie de suivre les pas de son père. Et donc, comme je disais, il y a deux choses qui sont assez bizarres, c'est que la fille recherchée. Elle gueule. Et aussi, c'est une grosse pyromane. Elle boule tout ce qui boule. Putain. Hein? Elle boule tout. Elle? Ouais, elle boule tout. Elle boule tout, hein. Dans la mission, combien de fois on a volé tout? Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez! Attends, elle va encore cramer! Elle peut pas s'empêcher! Elle brille quand même, tout ce qui bouge quand même! Ce qui m'éclate, c'est que la caméra a un sacré batterie. Parce que elle visionne des trucs. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hé, Sam. Merci.
Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, allez, rattrape-le. Non, non, mais c'est ta chance, là. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir. Écoutez, ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai, tu sais bien que je serais prêt à te suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Ça suffit. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le Triangle du Dragon. Comme bon vous semble. Bon. Voilà. Là, on s'arrête ici. Ouais. On va plus loin. Tu vois pas le temps? Ah non, 23 minutes. Un peu court, quand même. Ouais, ça. On va aller chercher. Il faut quoi? Il faut que je trouve quelque chose à manger. Chasser. Je sais même pas comment on fait pour. Bah, avance un peu. Non, mais pour voir les objectifs, on sait pas les voir. Bah, ça, c'est une attaque activée. Oh mon dieu! Le pauvre homme. Hé, cet arc me sera utile. Les flasques, il y a plein de flèches partout aussi. Ouais. Tu fais le tour et après tu reviens et les flèches réapparaissent. Une chose qui est assez réaliste, c'est que plus tard dans l'histoire, tu reviens, il y a des ennemis. Tu reviens récemment après, il y a personne. Mais dès que tu reviens en ayant avancé dans l'histoire, et ben il y a des ennemis. Comme ça, c'est un truc bizarre. Ça a recommencé. Le soldat Kosuke, il était de garde la nuit dernière. Personne n'a rien entendu. Et ce matin, on a retrouvé que son casque. Parce que... Aucune trace de combat, hein? Pas de sang, Rapproche pas de balle, de rien. Parce qu'on entendra bien. Les autres parlent de partisans chinois, peut-être même de GI américains. Les imbéciles, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Ce sont les Oni qui nous traquent. Ces démons ont pris possession des ruines de cette île. Nous sommes des intrus. Ils nous surveillent, attendant le bon moment. Toutes ces épaves, ces ruines, toute cette île n'est qu'un cimetière. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'ennemi nous attaque. Mais en fait, t'as le son dans la manette et dans le casque. Ah. Et puis genre, il l'entend quand même. Ouais. Mais apparemment c'est bien synchro parce que j'ai pas entendu de différence. Y'a rien sur le toit. On va aller le chercher. Je peux y arriver. C'est bien, c'est assez réaliste. Et elle a peur de tomber. Bien sûr, mise comme une conne, évidemment elle tombe. D'accord. Nico t'as dit. Et bien sûr, là, c'est pas vrai.
Et voilà, première arme. Meilleure arme du jeu, maman. On va voir si ce truc marche encore. Ouais. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Oh, quand t'as les fusils d'assaut, tu vas fusil d'assaut bien à fond, là, en Kalachnikov. Il faut absolument que je trouve un mage. Ou le pompe. Je sais pas si tu l'as, découvert le pompe encore. Le pompe. Voilà, il me dit rien. C'est bien, tu peux tuer tous les animaux, ouais. Ok, bien. Tu peux tuer tous les animaux, c'est bien. Et ça, c'est un truc qui manque aussi dans dans pas mal de jeux de trucs de survie. C'est la chasse. Attends, C'est moi, il est mort. Ah non, tu as raté. Tu l'as tiré dans les cornes. Non, mais... Tiens, on la voit la flèche sur la tête. Si tu vois la flèche sur la tête... À un moment, on la voyait, mais là, on la voit. On l'achète. Allez. D'accord. Il manque du sang, il manque du sang. Et du sang dans la caméra, hein, c'est bien ici. Hein? Elle met du sang dans la, sur la caméra, c'est bien ici. Et voilà. Un truc inutile. Bon. Je l'avais mis dans la cour. Ouais. Mais apparemment, c'est pas assez dans la tête. Ah, c'est écoute, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage. C'est juste pour récupérer. Après, les autres, pour récupérer des expériences et des objets. Quand t'as amélioré ton arme à fond, ton arc à fond, même, t'as même pas besoin de. Tu peux même tirer à les pieds, ça la tue d'un coup. Oh non. C'est cheaté après là. Tu tueras. Tu sais, c'est pas limité. Hein. Elle va lâcher à la fin, c'est con. Voilà. Non, pas. Un autre lapin. Tu peux pas récupérer les flèches? Non, tu peux pas récupérer les flèches. Alors pour pouvoir enlever le. Tu sais, pour pouvoir abandonner le combat, faire le tir, tu arrêtes de viser. Après de tirer, t'appuies sur un bouton pour viser, tu sais. Ouais. Bah t'enlèves le viser et elle arrête de tirer. Ok. C'est une façon, c'est une technique que j'ai remarqué. Parce que si tu lâches, elle va tirer. Mmh. Et si tu appuies sur l'autre, elle va pouvoir. Bon. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Le problème, c'est comment on va arrêter la vidéo là parce que je vais. Ok. Je vais. Ah. Pour la première vidéo, pour la première partie, c'est pas mal. J'ai pas beaucoup de choses à montrer là. C'est pas vraiment l'histoire. Un truc qui est pour nous. Oui, c'est un objet que tu récupères. C'est l'objet de récupérer tout de suite, non? Oh. Parfois. C'est bien, hein. Chasseur d'esprit. Mmh. Bon. Voilà. Bah, c'est pas mal déjà pour une petite vidéo. Voilà. Je peux regarder, c'est où. Mais je vais quand même aller. Ça coûte pas.
sauvegarder, mais c'est par où la sauvegarde? Alors tu montes la rivière, tu montes. Encore, tu montes, super rivière. Et après tu vas à gauche. À gauche. Et tu es à gauche. Hop, et c'est là. Donc ça, c'est bien. Un trésor en haut. Oui, mais tu pourras faire ça après plus tard. Et tu peux retourner après. C'est bien. Et voilà. Ça va tout seul. Tu dois utiliser un point compétent, là. Ouais. Hop. Ça c'est cool. Un pour voir les animaux. Ouais. Là, tu fais rond. Tour. Ici Code Ramos, après la cinématique. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross ! Lara ! Tu es en vie ! Calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non ! Où es-tu, Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Enfin voilà. Ouais. Bon. Eh ben. On va arrêter là. Ouais. Moi ce qui me fait rire, c'est la radio qui. De la musique. Merci de nous avoir regardé. Ouais. Likez-nous. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Bye bye. Bye bye. Bye.